cette vidéo, je vous propose une technique pour créer des petites mélodies ou des petits riffs. L'idée derrière, c'est de pouvoir jouer tout seul et s'amuser avec sa guitare. Alors, pour pouvoir créer ce genre de riff, il faut déjà être à l'aise avec sa gamme pentatonique, car j'ai créé ce riff à partir de la gamme pentatonique de mi mineur. Il faut d'abord être à l'aise avec cette gamme sur une corde. Alors, l'idée, c'est qu'on va toujours jouer la basse, le mi à vide ici. Voilà, donc en fait là, je viens de monter notre fameuse gamme pentatonique mineure, mais sur une corde. Donc la première chose sur laquelle vous devez vous concentrer, c'est l'apprentissage de votre gamme sur une corde. Voilà, vous devez également trouver un doigté qui vous permette de monter et de descendre. Si par exemple vous jouez avec un doigt, voilà, c'est un peu, alors c'est bien, hein, ça permet de faire des choses, mais il y a un côté un peu limitant, surtout en termes d'effets. On peut faire des slides bien sûr, des bends. Mais lorsqu'on utilise nos deux doigts, donc index et annulaire, voilà, donc vous avez certainement également remarqué que j'ai joué ici. On peut également rajouter des notes de passage. Hein. Donc voilà, donc ça c'est la première idée, être à l'aise avec notre gamme pentatonique sur une corde. Et puis, je vous conseille également d'être à l'aise également avec la corde de si, donc la deuxième corde. Donc finalement, vous avez deux cordes sur lesquelles vous allez pouvoir vous exprimer et de façon, j'ai envie de dire, plus originale que simplement monter la gamme et la descendre sur une position en début de manche. Alors moi personnellement, ce que j'aime bien faire, en plus du déplacement horizontal, par exemple, on peut jouer ces deux notes ici. Ou encore celle-ci. Voilà. Donc vous regardez votre schéma et en fait vous voyez bien que sur la gamme, il y a plein d'endroits où vous pouvez jouer des doubles stops. Donc de double stop, je rappelle, hein, c'est jouer deux notes en même temps. Donc ça va également agrémenter vos mélodies et vous allez voir, c'est vraiment super sympa à jouer lorsqu'on est tout seul et ça permet également d'harmoniser ses mélodies.